me suis toujours considéré à travers les métiers que, différents que j'ai faits, c'est-à-dire avant tout artiste lyrique, mais aussi metteur en scène, mais aussi directeur de troupe, avant tout comme un faiseur de rêves. Voilà. Et donc ce livre, c'est pour expliquer en fait ces 43 années de rencontres, d'amitié, et pour laisser comme message, entre autres, que le talent n'est pas grand-chose, le travail n'est pas grand-chose s'il n'y a pas la rencontre. Et que ça a été, pour moi, 43 années de rencontres à travers différentes expressions artistiques, puisque je viens du monde du cabaret, d'où l'objet évidemment du livre, mais aussi du monde lyrique, puisque j'ai été spécialisé dans l'opérette. Voilà, ça raconte tout cela. Alors, ce livre apprend le cheminement d'un artiste. Comment se construit un artiste ? Un artiste, c'est avant tout, c'est pour moi, ce n'est pas un métier. Être artiste, c'est un état. Et je pense que l'artiste se construit depuis sa plus tendre enfance. C'est la raison pour laquelle plusieurs pages sont consacrées à mon parcours d'enfant, de mon entourage familial, du milieu culturel d'où je suis issu, puisque je viens de la Suisse, du canton du Valais, qui est un canton très rural, et j'atterris ensuite sur la Côte d'Azur, donc autant dire deux planètes totalement différentes. Et donc c'est quels sont les rêves que l'on nourrit pour qu'un jour on décide d'apporter quelque chose aux autres. Moi, ça a été par le chant, la comédie, d'autres c'est la danse, la peinture, la sculpture. Mais comment tout ça fait qu'un jour, on arrive à vivre de cela et qu'on se dit, tiens, on en fait un métier. Et mais je n'ai jamais considéré que c'était un métier. Alors, l'ouvrage, bon, c'est déjà, on va dire, un voyage à travers mon pays qui est la Suisse, la France où j'ai beaucoup œuvré, mais aussi mes origines qui sont autrichiennes. Et les trois cultures mêlées raconte en fait l'histoire, le parcours d'un modeste saltimbanque avec les trois influences. Alors, comment se construit un artiste? On peut dire que le livre s'adresse aux jeunes artistes en devenir, quelle que soit l'expression artistique, hein, bien entendu. Et là, c'est aussi un hommage à bien des personnes du métier. Donc, il y a des figures qui sont connues du grand public, que j'ai côtoyées. J'ai passé 10 années auprès de Jean Marais. Des personnes comme Betty Mars, des personnes comme Henri Genès. Donc ces gens-là ont pour point commun le fait d'avoir accordé un petit peu de temps à la personne que j'étais, de maîtriser leur art, et surtout ce qui m'a importé pendant toute mon activité, j'y suis encore d'ailleurs depuis 43 ans, 44 ans bientôt, c'est de travailler sur différentes expressions artistiques, ce qui n'est pas quelque chose de très facile dans les pays latins. Et que nous maîtrisons davantage dans les pays alémaniques. Je dirais que c'est un message d'amour, parce que l'amour déjà de tous mes collègues, à travers les temps, ceux qui ne sont plus là, hein, dont je parle, il y en a beaucoup qui sont partis, mais surtout un message d'amour vers toutes les personnes qui me suivent depuis des années, et qui n'hésitent pas, si par exemple ce sont des amoureux du classique ou du lyrique, de venir dans la variété et vice-versa, c'est-à-dire avoir été fidèles. Donc c'était aussi une manière de les remercier à travers ce livre. Voilà. Allez, je voulais simplement dire deux mots sur cette collection Cabaret, qui est une collection prolixe hein, chez l'Harmattan, puisqu'on arrive bientôt à 72-73 livres. C'est la volonté de Christian Stalla, le directeur de collection, de transmettre toute cette histoire du cabaret pour les jeunes générations, pour les jeunes artistes, pour le public, de tous ces gens qui ont fait, nous autres artistes, dans le passé, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et donc j'invite tout le monde à découvrir cette collection vraiment, parce qu'il y a des artistes de tous les horizons, car le cabaret, ça représente toutes les expressions artistiques. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous proposer que nous nous rencontrions tous les mois pour parler de musique. Ce que je vous propose, ce sont des rencontres avec la musique évidemment, mais aussi des rencontres avec des personnalités d'exception. Chanteuse et passionnée d'histoire de la musique, ce qui m'a toujours attirée dans ce domaine, c'est d'observer les musiciens, compositeurs ou interprètes, les observer dans leur époque, les observer dans leur milieu. Voir comment ils ont appréhendé la vie et ses mystères. Vous l'avez compris, l'association Editraum a à cœur de nous parler de notre place dans cette vie, au cœur de notre environnement, au cœur de notre société, au cœur de nous-mêmes.
Et cela tombe bien, car les musiciens vivant dans des époques différentes, dans des paradigmes différents, ont toujours recherché cette place. Leur œuvre en est le fruit, et si nous le savourons, c'est encore avec beaucoup plus de joie lorsque nous pouvons y mêler la compréhension d'une vie donnée. Nous ne pourrons pas parler de tout, nous n'aurons pas le temps, et puis nous ne connaissons pas tout. Mais ce que nous rechercherons toujours, c'est l'idée force. Ce sont les obstacles qui se sont présentés, les relèvements, les accomplissements. S'il fallait donc décrire nos causeries en trois mots, ce serait d'abord la musique, évidemment, puisque c'est dans ce domaine-là que j'ai rencontré des personnalités qui méritent d'être connues à travers leur œuvre, mais aussi bien au-delà. Puis, ce serait rencontre, puisque ces destins de musiciens sont toujours venus rencontrer mes préoccupations personnelles et m'ont guidé dans mon cheminement musical. Enfin, le partage, puisque la musique est un moment de communion avec ce qui nous entoure, et pour moi, la meilleure manière de vous rejoindre est de vous faire partager ces destins d'exception. Je vous dis donc au plaisir de vous retrouver tous les mois pour ces rencontres musicales. J'espère que, comme pour moi, ces rencontres seront pour vous des moments privilégiés, des rencontres inspirantes qui auront un sens dans votre vie.